Voilà, petit déjeuner avant de partir. Bar sympathique. En face de l'hôtel où nous étions. Après un petit déjeuner avec un super café mousseux avec un petit cœur dessus que je vous ai montré, eh bien direction Tolosa. On a le temps, on part un peu tard. Journée pluvieuse aujourd'hui et on quitte donc Hernani, qui est jolie ville qu'on va traverser, où manier notre ami de le Picard de 22 ans. Il a fait halte avec ses compagnons parce qu'ils sont partis à 4 de chez eux et ils ont découvert le Pays Basque et là ça leur fait un choc parce qu'ils comprenaient rien du tout. Les gens parlaient tous en basque et même pour la monnaie pour acheter, ils pouvaient pas faire leur compte, c'était fallait donner la monnaie et puis c'était les gens, le commerçant qui prenait l'argent dans la main. Et donc ça posait quelque chose, ça fait tout drôle quoi. Et ils comparaient le basque à l'allemand, ils comprenaient rien du tout. Et ils disaient qu'ils étaient obligés de parler comme des sourds muets par des gestes pour faire comprendre ce dont ils avaient besoin. Donc voilà la petite histoire de manière. Bon dia. Bon dia. Ça, c'est la mairie. Je dis bonjour. 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 Oh, t'es belle. Ah, t'as une copine? Tu viens? Oh, t'es jolie aussi, toi. Bonjour. Ah, t'as le téléphone, oh? Le téléphone? Ça gratouille. Tu donnes? Oh, t'es gentille, hein? Ah! Voilà, on arrive à l'église de Andoain. Et à gauche, il y a la mairie. Donc style aussi baroque, comme on faisait au 18e siècle, début du 18e siècle, dans toute l'Espagne, avec l'influence de la cathédrale de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle. Les rues typiques des villages du Pays Basque sud. Chemin s'est limité à longer la voie ferrée et la rivière en traversant des villes industrielles. Et puis dès qu'on monte un peu, il y a des fermes là-bas avec les brebis sur les versants.
Donc le contraste entre l'industrie dans la vallée et puis de suite la campagne à 400 mètres avec épandage en ce moment de purin avec odeur garantie. Mais voilà, c'est le chemin. Pas toujours extraordinaire, pas toujours des sentiers bucoliques. Mais on arrive à Tolosa d'ici une heure. Et on va pouvoir visiter